sobosiriba kwe kulanda basa wala vina bulinga kamingi ulo kote ya lingala babengi ngunga ibeti ya mokolo ya jeudi 3 octobre 2024 si mamongo ngunga muke ndibu zui ba detay bwa basa ngu tofungula basa wala vina politiki puna koloba ete tatamo kundi ya mboka Felix Antoine Tshisekedi Chilombo azalaki na masolo na komunote kongoleze oyo ebika ka na Budapest na mboka Hongri wapi basolo laki na maimatali bongo situation ya ekolo na occasion ya visite de travail na ye kuna wapi azwaki invitation kuhuta na homologue na ye bula na komantere. Communauté congolaise oyo babika ka na Budapest na Hongri ba yaki ko témoigné attachement na bango epa ya mokonzi ya mboka Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wapi ba profite ki na visite de travail na ye na Budapest na masolo na bango ba lobela ki ba sujet belé d'actualité ba bandaki na nako observer une minute de silence pona kokanisa ancien basketteur ya NBA Mutombudi Kembe pe philanthrope d'origine congolaise oyo akufa ki Outa lundi 30 septembre 2024, Bouyou Kangunga. Je vais rester encore debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Ikembe qui nous a quittés hier. Donc, voyons observer un petit moment de recueillement, une pensée pieuse pour lui, pour sa mémoire. Si mamo konzi ya mboka Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alobela ki basije bele aktualite oyo ezali liye na marche ya ekolo kutanga bongo defi sekuritaire li kambo ya dialogue politique oyo ezali koloba mamikolo oyo pona kutanga kaka wana kasi na ngambo na ye mokonzi ya mboka atalisaki ete azali pour yango te po pays ezali na crise te. Bouyou Kangunga. Ici, je voudrais être clair avec vous. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Bongo et sika et pesamaki pour la séance yaba question réponse oyo et permettaki na communauté congolaise oyo et bikaka na Hongri kotalisa ba kokoso na bango et zala ki pe occasion pour na mokonzi ya mboka ya kuankourager bana mboka oyo bavandaka na Hongri kotika la attaché na ekolo Congo démocratique mabele ya bakoko na bango ngonga ibeti nangamu musuje sengini kosimba ete vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe désenclavement mon mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki na masolo mokolo ya mardi de octobre 2024 na comité de gestion na Oetali Penza ba transport routier ya poids lourd kuna na Matadi na province ya Congo Central wapi na suka ya masolo na bango nde bazwaki mokano ya koleve bongo suspension ya grève oyo ezali kosalema na eteni wana bulanda. Na bokamba mina ye moko Jean-Pierre Bemba Gombo vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe désenclavement
a kambaki séance marathon moko kuna na matadi na province ya Congo Central et sangisa kiba partie prenante nyonso oyo ezali impliqué na gestion ya ba transporteur routier ya ba poids lourd. Réunion oyo e botaki mbuma wapi suspension ya grève ya ba transporteur routier na axe Kinshasa matadi Kinshasa oyo ezalaki déclenché outa des semaines. Boyoka déclaration finale denge etangamaki. Gouverneur ya Congo Central Grâce Bilolo yepe azangakte ko betsa ngonga. Numéro 1 ya province. On a des femmes na bino na bundi na sali nyonso sur instruction ya vepe la sena ki ekipe se réunir na Kinshasa petit na dit du Nazareth na basis ba sololi lelo sur instruction ya son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo omoni vepe transport à Haïti pour toutes la solution. Ngonga ibeti. Tokobana basanga biso pendant que l'oba était vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, Jacquemain Chabani, Azalaki Bongo, na Masolo, na occasion, ya 9e session, na Etali Penza, Makambo, ya ba frontière entre Ecole Congo démocratique, pe, na République du Congo, wapi na Souka, bazoki Mokano, ya ko adopter fait des routes, pour na ko pesa, nzela na Misala Bongo, ko banda, na Etali Penza, Boutungi, ya ba frontière, bola na commentaire. Ezalaki nanzela ya clôture ya session ya commission technique mixte na matière ya ba frontière entre Ecole Congo démocratique et République du Congo de vice-premier ministre, ministre ya intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières Jacquemain Chabani ya Ecole Congo démocratique et Zéphirin Mboulou ya République du Congo ba zalaki d'accord pour la poursuite ya ba travaux ya démarcation ya ba frontière terrestre na tronçon kubanda na borne Ndandanga pe Tombo Manyanga na borne Nimalemba pe Bon pour na Ecole Congo démocratique et République du Congo. Na souka ya ba travaux oyo ezalaki ko marquer clôture ya 9e session ya commission technique mixte oyo esalemaki na Kinshasa ba expert ya ba pays mibale oyo ba yokanaki na total ya 350 km ya ba frontière terrestre 20 km ekotungama sur un total ya 170 km pour la première phase. Mikoloto et Tiamaki Nabamikanda entre vice-premier ministre ya Ecole Congo démocratique Jacquemain Chabani pe Zéphirin Mboulou. Boyoka ndenge ngonga ebitamaki na suka. Ngonga ibeti. Vice-gouverneur ya vice-province ya Kinshasa Edi Ieli Molangi a kitaki bongo na commune ya Bandal Chibangu pe Makelele pona kosalisa misala na cadre ya opération coup de poing wapi bazali ko kire ba kanivo na eteni wana mifika na mboma azalaki wana bona na ndenge ngonga ibitami. Vice-gouverneur ya ville province de Kinshasa Edi Ieli Molangi a lobi pas question du bureau système ya terrain. Chaque semaine deux ou trois fois azo kitaka na ba différentes communes mingi na cadre ya opération coup de poing où ils ont mis na cadre sa programme ambitieux. Kinshasa ezo bonga na bokambi ya gouverneur Daniel Bumba Lubaki nyonso oyo koluka bolamu ya population kinoise. Mercredi 2 octobre 2024 akitaki ayo longona délégation na ye na Bandalungwa mingi penza babengaka Chibangu ko sa misala ya kiraj ya kanivo oyo po soki mbule beti awa population ya ngambo oyo azalaka na moya kobimate ndela po mai etonda kama kasi zalaka nde somo soko zana ngambo tikali na ngambo anje mpe batu bazalaki deja awa kutu ya mboguva akoma babandaki deja kosala misala ya kobimisa kabo soto kasi na tango ba mona ki vice gouverneur population akangaki monokote pona koyebisa ye ezali deja na societe moko oyo aleka awa asala plus ou moins 6 mois ko sala misala solution ezo makate e ko sala malamu soki ba ko tongela bango ka niveau mosusu ya sikana
ngambo pona ko canaliser mai po kokoso ezali na kati espace o ba noko tope ya belge batikaka po mai ele kaka malamu ba salela yango na botongi tongi ndenge kuma kotonga malelo na kati ya ville province ya Kinshasa. Vice gouverneur alobi ayoki a komema rapport et pas numéro 1 Daniel Bumba Lubaki boyoka population ndenge ya bitungonga Ego est comment bouché on a elle il y a Bangal Sinkin Ego est à boucher donc bah misala tout bah ça là ça sert à rien parce que Ego mai et outa boyeya et tourna et zonga makelele Ego est à boucher makelele mata Ego est tika la nasé donc faut pas ça système quand il y a un niveau ouvert na elle ya sinkin soki eye etourné etena makelele a suka kibongote apusana ki lisusu mwa liboso esika kuta ki lisusu ka niveau boucha ka la balobi awa ezalaki ko facilité mai koleka ti koko malakan kasi pasi koma po nyonso ezala boucher ki rage ça la maraté ya pasi susa yoka ki vice gouverneur di yel molangi a kuti mama batali koteka esika na bango bo soto ya makasi nde atea ki bango babate l'environnement na bango na kota bo peto pona ko kima maladie ya ndenge na ndenge nde akosuki samisala maye ya butu butu kotambola na kirage awa na maya makelele bisika misala ezali kosalema kolala kolamuka projet ya Kinshasa ezobonga ezokokisa mamale malembe na kotalaka volonté ya gouverneur Daniel Bumba Lubaki longo na vice na ye edi iyeli molangi ngonga ebeti. Tokati sana province ya Okatanga esengeli ko simba ete ba député provinciaux ya Eteniwana basala ki déclaration mingi penza ya ensemble pour la République pona ko talisa indignation na bango contre ba propos ya vice gouverneur ya Okatanga Martin Kazembe ou Lubaki pona mwana mboka Moïse Katumbi na misala o ezali ko salisa na Eteniwana bulanda bango. Basangana ki na lombango ba député provinciaux ya Okatanga na konti ya ensemble pour la République na bokamba mia président ya groupe parlementaire honorable Kilar Mubambi wapi basala ki déclaration pona kotalisa indignation na bango face ya acharnement oyo vice-gouverneur ya Okatanga Martin Kazembe azali kosala contre président ensemble pour la République Moïse Katumbi pona ba action sociale na ye Boyo Kangonga député provinciaux de Okatanga exprimant la plus grande indignation face à l'inacceptable exploitation par les autorités provinciales des actions sociales initiées par Moïse Katumbi dans le village de Molondé, dans le territoire de Poitou, lesquelles actions consistent à réhabiliter l'aérodrome et l'hôpital car ces infrastructures devenues vétustes ont existé depuis bien longtemps. Nous condamnons avec force l'attitude scandaleuse des autorités qui ont enlevé et torturé le chauffeur après s'être emparé de la Jeep dont il avait la charge. Il est inacceptable que les représentants de l'État se livrent à de telles répressions. Alors qu'il avait pris l'engagement de remettre la piste d'aviation réhabilitée par ses efforts personnels à la régie des voies aériennes, comme il l'avait précédemment fait à Kachobwe et à Poitou, l'acharnement dont souffre Moïse Katumbi est clairement motivé par des intérêts inavoués. Il est impératif de souligner dans cette dérive autoritaire qui est orchestrée par le vice-gouverneur du Okatanga en la personne de Martin Kazembe Choula, dont la récente visite à Molondé a conduit à l'intervention des forces de l'ordre en violation flagrante des lois en vigueur. Cette ingérence illégitime rappelle les sombres épisodes où son Excellence Martin Kazembe Choula, chargé de garantir la sécurité et le bien-être de nos concitoyens, avait déjà procédé, après les élections, à l'arrestation arbitraire de jeunes de Kachobwe, à l'époque maire de la ville de Lubumbashi. À la veille de la saison de pluie, nous constatons avec une indignation grandissante que la province abandonne sa population dans une terrible détresse. Aucune route n'a été réhabilitée. Aucune piste d'aviation fonctionnelle n'existe pour permettre la circulation des personnes et de leurs biens dans nos territoires ruraux. Nos concitoyens vivent dans l'isolement, privés de soins, médicaments et plongés dans une pauvreté extrême. Les produits agricoles pourrissent dans nos champs, tandis que les malades restent bloqués, incapables d'accéder aux structures médicales adéquates. Dans ce contexte tragique, l'acharnement du vice-gouverneur, son Excellence Martin Kazembe Choula, envers les simples travaux de réhabilitation d'infrastructures essentielles, relève d'un mépris criminel vis-à-vis de notre population. Gonga Ibeti.
Maître Christian Lofuto, analyste politique et école Congo démocratique, Bitsingonga, Klonisama, na Businga, ya dialogue, et pas ya monambouka, Martin Fayulu Madidi, wapi, Azalina Posa, ya Kobimisa, école Congo démocratique, na crise pour été, makambu, etamboula, malamo. Azalakina micro, ya Piris Pimbele, Boulanda. Nyonso ozo le kana République démocratique du Congo pour le moment a été déjà prédit, a été dit, a été révélé par la livre de Bengaga vision quadricéphale ya Kimbangu wa Congo. Na livre wana baloba ki ki pouvoir retambola na quatre langues. Autrement, premier cercle ya successeur ya pouvoir politique en RDC makambu eko simbate parce que fondement politique spirituel est déjà ko bebisama. Yangwana ba pesa ki solution. Solution nango za ndenge nini? Parce que toka lelo ba tu dialogue a Martin Fayulu le dialogue dialogue toi sa papa mokozi amboka. Papa Kimbangu aloba ki boye. Tant que pouvoir rekota na bande ko na biso e ba luba tu quatrième langue, il faut même peuple na pardon sincère. Et ça dialogue na forma ya kosenga na pardon. To senga ni pardon pourquoi? Parce que classe politique congolaise e sali ba bi mingi et nyokoli population mingi. Être le cana pardon sincère n'est comme ma mission na unité nationale na réconciliation après qu'on a une mission à mi balayer à cause des alliés changement ya classe politique autrement bateau tout va signer mission pardon ba autre va sera na Kasavubu na Mobutu na Kabila na ba au bas salina Tshisekedi au baso sana bango nyonso il faut ba paiement. Il faut permettre un changement de classe politique. Bato a sika, on a nos salaté, on a beaucoup pembe. Pour la lumière, il y a Nzambe et rayonné na Congo, Congo qui est liboso. Nous sommes aussi battus pour anime. Parce que Makila et Sopa Mimingi na Congo, soki boche tembi. Na bato baloba, on dialogue et salamate. Na baloba boche tembi bolobi, non, et l'on moko et salamate. Te fan dans l'abisso, la divinité va s'imposer. Parce que personne n'a qu'il y a un peu de temps, le système politique qui copie la classe politique au Tosana, il y a un peu de base de souffrance dans l'abisso dans le Congo. Il y a un peu de peuple congolais, dans le peuple. Il faut accorder pardon à Bino, autrement, le Kassava, le Mobutiste, le Kabiliste, le Tshisekediste, pour la lumière, il y a un Zambé et ça dans le Congo, et permettre la transition. Na classe politique ya sika na lobi boye na kacha bakasava bato basalate bazali na kacha bomobutiste bato basalate bazali na bakabilise na batisikilisa oh nano basalate bango ande bazali classe politique montante nde kimia ya Congo ekoleka na nzela na bango afde la zokota ne nzamba yebisenga omoni ndenge 3e langue ozo pouvoir 4e langue kozwa nyoso ko simbate et nini nange zali livre oyo na salaka na publia na bandolo bango depuis na entrée afdel na lobby on a kati ya na un Kabila koti na un papa tsigida ko bidon et ça na passer mon côté mutu mon ko so azwa révélation té ba tu nyoso ba zolo ba lelo ba lo ba passer par ci par là ba za ko se référer ka na livre o vision quadricéphale ya Kimbangu nyoso o na zolo ba ezali na kati ya livre oyo o alingi azwa ngo abenga ngonge beti ya komona nyoso ezana kati ya livre oyo donc dialogue salama conformément na révélation prophétique ya Kimbangu wa Congo. Nangambo ya religion, Sengeliko Simba ete archevêque Évariste Jibayama Pia Ozali Penza, président et représentant légal ya Église des réveils du Congo à Betsingonga pour nakotali ça ete le 12 octobre 2024 ba kosangana bongo na ba pasteur nyonso ya école Congo démocratique pour nakobondela na tina ya mboka pour na réveil ya Congo démocratique pe lisusu pona kuzuri sabulingo kati na basali na Nzambe bulandai azaraki na micro ya Jiresse Natuba lokoyebi sabande ko nyonso ke bomi tunaka bolobaka ba papa ya molimo surtout ya église de réveil bayoka na kana bangote netolobite tokuumela kaka kuzala boye bokabwani oyu epai mususu epai ya solo batu na batu bazali na mwa ba regroupement na bangoyi bazala kanango me biso lukula bana nzambe biso lukula basaleli ya nzambe tondimiete to répondre to yanula na ndenge Yesu Kristo aloba na losambo na ye tata bazala bumoko mpo ba mokili ba yebake yo tinda kinga
nde to bengisi oyo to bengi na lopoto sommet de l'unité banani bakozala mukolo ya le 12 octobre na palais du peuple na chapiteau tolobi bakonzi ya mboka to bengisi bango bakambi ya mangomba batata ya molimo ya réveil oyo boyebi wana bango nyonso to bengisi bango mpe génération oyo za ko mata donc mutu moko te to tiki pembeni donc mukolo wana liboso ya nzambe toko sambela mpona mboka na biso liboso ya nzambe toko sambela mpona bolamuki réveil na mboka na biso mpe toko lakisa bumoko na biso en disant ataku tozana mangumba oyo na yaye mususu na yaye kuna tozaba na nzambe mba makambo ya mike mike oyo ekabolaka biso wafinga kinga na réseaux sociaux yango wana toko yokana te tolobi tete oyo nyonso wana tokoti yango pembeni mpo tomipesa nzela nini oyo tokoki kotambolela tomipesa nzela nini oyo tokoki kolanda mpo bokabwani esila totambola nzela moko lingomba moko oyo tobengi lingomba ya Yesu Kristo na mboka na biso ya République démocratique du Congo na nzela ya bolamuki oyo tolobi Église de réveil. Toko bwana basanga na biso pona koloba ete erojo boko monene esalemi na kindele na commune ya Mongafula na premier poteau wapi ekomi kotia insécurité makasi pona population pe lisusu bandako ya bato ebele esila na kobunga pe biloko na kati kaka ya erojo wana nde ezali kopesa population pasi makasi pe koyoka bango erojo wana esali plus ou moins karata uta yango ebanda solution epesa makati mifika na mbo mazalaki wana elongo na Sardou Dimbu boyoka ndenge ngonga ebetami. Érosion oyo ezwami na kindele premier poteau commune ya Mongafula yango esali plus ou moins 40 ans ata intervention mon côté autorité ba politiciens ndenge na ndenge ba leka na ba promesse ta bango mingi mingi penza na tango ya campagne kasi ba sala eloko mon côté érosion e bandaka muke muke ezalaki facile ya ko arrêter yango kasi pasi pe mawa moto azalate ti ndenge ekoma na niveau oyo ngambo na ngambo ndenge bozali komona banda ko kenda pe biloko ya bato bae bazala bakolo mapango balela balongwa awa kwa balokata bisika basusu bakenda eyebana te bae pe batikala awa esika kokimela ezali te po baluka nani oyo akoki kolobela bango ya mabeli susu insécurité ekomi na kati ya libulu oyo kobanga na bango Kinshasa lelo ekoma polia esengeli obeta libanga libanga lelo etalaka ngonga te ntango nyonso ekosimba ozongi ndako sika bango balekaka na libulu oyo ti na se esika ba malfra pe bato ya mabe bazali kobatama kutu deja ebele ya bato baza deja victime ya insécurité epai mosusu papa moko ya motema mawa kaka na quartier oyo asacrifia une grande partie ya lupango na ye oyo atimola mabulu akoki pe kutu kotonga bandako ata balocataire esunga libota pe alengela bonunu na ye kasi atika yango soki mai ya mbule uti likolo ezokita na esika ekende kofungola lisusu érosion ezo kakara na lopango na ye na boye balobi bakoki lisusu te etala ntina bazali kobenga ba autorité compétente mingi mpenza ba député nationaux pe provinciaux ya commune ya Mongafula bakisa lisusu gouverneur pe vice gouverneur babwaka miso na ngambo oyo Kinshasa ezali monene basusu bazali kolela boyoka bango ezoluka solution ezoma na libengi oyo ezokendela libulu Tozo ba place yo kene to ba mama ba fute ezate. Baza ko senga na ba imboka bata la problème oyo yo ya libulu oyo. Libulu oyo e wumeli depuis zaye. Ba konzi ya ndenge na ndenge ba ya ba député ya ndenge na ndenge ba ya ba pesa bilaka ba kenda libela. Libulu oyo ezala ki nanu mukie. Lelo yo libulu oyo komi munene ba mapango nyonso e kenda batu bakufa. Balala na butumbu le beti et rosé et salami et mimi bango bakenda congé libela bazonga te yango to ko fenga lelo na Daniel Bumba yonde gouverneur babengi yo solution et di yele mulangi ya pembe papa social na yo fenga bino ngonga ebeti
Tokomi na rubrique na biso ya makanisi population ya Engumba Mukonzi Kinshasa apesa ya makanisi kulandisama ba propos ya mwana mboka Adolphe Muzito wa piazali kosenga ete constitution ya ekolo Congo démocratique esengeli ba révisé yango boyo kabangoni ba betingo constitution ba kochandango a l'aide ya nini ye Muzito azaki premier ministre na mboka oyo tomoni malonga oyo ya sala kité. Quand vous avez le Premier ministre, il ne déclarait jamais que a changé la constitution. Quand vous êtes à Lungwe, dans l'époque où il y a pouvoir battre comme Senga, il a changé la constitution. Quand vous avez une époque à Kabila, vous avez changé la constitution, vous avez changé la constitution, vous avez changé la carte jaune et la carte rouge. Moi, je pense que vous avez changé la constitution, ils ont un groupe de ma bête, ils ont fait ma bête et tout le monde. Parce que constitution ezali moko ya biloko moko ya munene oyo salaka ke mboka etambola malamu Muzito tango asengaki eloko wana apesaki be ba raison na ye na ba raison na ye oyo apesaki alobaki ke constitution na biso bato oyo basalaki yango bazalaki na légitimité te. C'est-à-dire, Bazalaki hors mandat. Et puis la majorité de ces gens-là étaient des étrangers, comme les Azarias Rouberoa, les Vital Kamere, Mwanga Chouchou. Donc, plus de 17 personnes ont salé qui va changer la constitution. Il n'y avait que 3 Congolais. Pour la rapide, la zone est en normalité. Pour la rapide, c'est pas la route. Il faut changer la constitution pour la nuit. Hein? Parce que c'est un sous-temps. Donc, on va dire que nous avons bien changé la constitution. Voilà, ils ont un intérêt à la banque. Ils ont un intérêt à la banque. Et là, vient le bateau changer la constitution. Car nous sommes à Zalakara. Pourquoi tout changer la constitution? La banque va s'en pouvoir. C'est pas ça, la basala, basala, la basala de GBD. Si vous avez le temps, vous avez à côté, vous avez tout changer la constitution. Et si vous avez le temps, Muzito, vous avez le temps. Ce qui a bimisé les canisés, les canisés ont bimisé, ils allaient prendre un bon cannabis, ils ont vu à Sika, surtout ça, vu à Sika. Donc, tout ça a besoin de mes becs oyo et pour ça, ils sont des peuples. Mes becs oyo et pour détruire vu à peuple, ils font mes becs. Ce n'est pas dire que mes becs oyo ils ont construit un carabat moussoussou. Mais bon, c'est la vie, il n'y a pas cette bonté. Tu as besoin de mes becs. Oh, il faisait et construisait des peuples pour lobby. Ma crise, oh, ma passe, oh, et si là, maintenant, mon tour, à la banque appelle l'État. Pour Nangaï, premièrement, nous sommes d'accord dans l'autre. Ce qui est dans mes cousins, moi, Mouki, il y a Muzito, à la première ministre, dans l'ère.